La réunion conjointe des ministres de la SADC en charge de l'éducation, formation, recherche et innovation est attendue ce vendredi à Kinshasa. Cette rencontre tiendra compte de recommandations formulées par les experts, conformément aux engagements souscrits afin de booster l'enseignement, la formation et la recherche ainsi que l'innovation dans la zone selon le plan indicatif régional 2020-2030. Durant deux jours des travaux de la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation, la formation et la science, les délégués des différents pays membres de la SADC ont réfléchi sur plusieurs points, tels que les directives sur la mise en œuvre et l'impact de la recherche, le cadre stratégique de la SADC pour l'avenir de l'enseignement supérieur, le rapport du symposium sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle tenu du 8 au 9 mai dernier à Johannesburg, le rapport sommaire de la réunion spéciale de TCCA-SADC-QF, le rapport d'avancement sur les lacunes dans les données relatives aux cibles de l'ODD-4 et tant d'autres encore. Le secrétaire permanent de ces assises se dit très satisfait du déroulement des échanges entre les différentes délégations. Les travaux se sont bien déroulés. L'ensemble des thèmes et des décisions y afférentes ont effectivement été à la fois examinés et adoptés. Et on n'a pas eu de couac quant à des contestations des partis. Quand je parle de partis, il s'agit des États. Et je crois savoir que la prochaine étape, qui est celle des ministres, qui commence demain, n'aura pas de problème parce que le travail en amont s'est effectué avec beaucoup d'expertise, mais également en tenant compte de toutes les préoccupations des États au regard de la mise en œuvre, d'abord de la définition des projets, de l'évaluation de ceux qui étaient déjà entamé pour la mise en œuvre, mais également en termes de définition des nouveaux projets qui vont avec l'ensemble des valeurs soutenues dans la communauté sur la thématique éducation, enseignement, recherche et innovation. Les recommandations formulées par ces délégués sur ces questions feront l'objet de la tenue de la réunion conjointe des ministres de la SADC en charge de ces secteurs, qui se tiendra ce vendredi 23 juin à Kinshasa.